Bonjour Fabien, merci de nous accueillir chez toi. Donc tu es un jeune auteur lyonnais. C'est cela, jeune, oui, un petit Voilà, peu. tu as écrit Enchanteur des vents. Tout à fait. Voilà, et donc tu vas rejoindre en fait bah, les auteurs du Grimoire dans l'anthologie Tomber les voiles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta nouvelle Enchanteur des vents, dans quel univers elle se situe et quel est son propos? Oui, bah écoute, c'est une nouvelle de science fantasy, d'aventure, de voyage, qui se passe sur une terre un peu alternative. Bon, c'est pas extrêmement développé dans la nouvelle elle-même, mais c'est un peu un mélange de magie et de steampunk, avec également une petite composante de science-fiction, puisqu'il y a, dans ce monde, il y a la possibilité de passer de la Terre jusqu'à une autre planète, qui s'appelle en l'occurrence Terre Miracle. D'accord. Voilà. Et ça se fait via un point situé dans l'océan et avec l'aide d'invocations qui sont donc pratiquées par des enchanteurs que l'on trouve sur des bateaux. D'accord. Et tu as découvert l'appel à texte comment? J'ai découvert par Internet. En fait, je me suis mis à écrire il y a assez récemment, comme beaucoup. D'années, je l'avais jamais fait. Ah, t'avais jamais écrit Non, j'avais écrit quelques pages, mais j'avais jamais rien terminé en fait. Là, comme j'ai eu un peu de temps libre, je me suis dit que c'était l'occasion. Ce temps libre s'appelle Céleste, hein, c'est ça? C'est ça, ma Ouais, fille, voilà, tout à d'accord. fait. Donc, c'est Ah, pas elle là, d'ailleurs, mais ah, c'est pas elle, hein. D'accord, bon, elle fait un peu plus de bruit la mienne. ok. Voilà, Oui, mais effectivement, il y a d'accord, son son œuvre. artiste, on est tous des artistes à la maison. Voilà, très bien. Voilà, et donc, ouais, j'ai découvert l'appel à texte en fait très tard. J'ai dû avoir à peu près 15 jours pour écrire la nouvelle. Donc je me suis mis à fond. Voilà, donc Voilà. tu Je l'ai as envoyé le dernier jour quand Et même. l'univers que tu avais en tête, c'est quelque chose qui avec tu avais déjà réfléchi à cet Non, pas univers? du tout. Non, en fait, comme un certain nombre d'auteurs, j'étais un peu dubitatif devant le sujet, Alors, pour quelle le raison? thème de l'appel à texte, parce que c'était à la fois pour moi très large et un peu curieux, effectivement, avec cette formulation. Bon, on a eu l'occasion d'en discuter, donc Oui, maintenant donc tomber les les voiles choses avec un et sont qui. un peu plus claires. Et moi, au début, j'étais parti surtout sur l'idée des voiles, les voiles, effectivement, devant la réalité. Donc, je voulais partir sur quelque chose comme ça. Et Ben ça, c'est. je crois que devant le temps qui me restait, en fait, j'arrivais pas vraiment à démarrer. Donc, je suis parti sur autre chose. Je suis parti sur une idée de voile de bateau, tout simplement, en voyant où ça me menait. En fait, j'ai commencé à l'écrire sans savoir vraiment où j'allais. Et puis ça s'est mis en Et ça place s'est mis en place, progressivement. progressivement. Ouais. Ok. Et donc tu es un écrivain sous influence Ouais, littéraire. Enfin, je veux effectivement. dire sous influence. Sous influence, peut-être aussi. Voilà, oui, mais Voilà. littéraire. Influence, ouais, la bière, Oui, effectivement. Hein. et sinon des Mais l'éditeur auteurs. aussi est sous influence. Oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. L'auditeur n'est que dans des automatismes de C'est pensée. normal. Oui. Et effectivement, ouais, bah, moi je suis assez influencé par tout ce qui est science-fiction classique. Science-fiction un peu de l'âge d'or, L'âge d'or voilà, américaine. Simak, Ouais. Van Vogt, Ouais, très bien, et donc ensuite Vance, donc beaucoup. ouais. Les jeunes lecteurs ont de quoi lire, hein, Voilà. maintenant. Robert Bert. Il n'y a pas que le trône de fer Il n'y a pas que le et trône de fer, c'est très voilà, bien il aussi, mais on s'en y a. regarde un peu quand même. Oui. Mais bon. Non, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est dommage parce que C'est cette histoire de dommage la qu'en fait. science-fiction est un petit peu tombée en désuétude. Et il y a Ouais. quand même assez peu de rééditions, il y en a, mais c'est toujours les mêmes. Des fois, il y a des choses très bien. Là, j'ai vu une belle réédition d'Asimov. Bon, allez-y, courez, lisez-la. Non, mais c'est vrai que en fait, aujourd'hui, qu'avec le Trône de Fer, etc., dans ces énormes sagas, où en fait, un jeune va lire 60 romans, Ouais, en fait 60 romans 60 000 dans le pages même univers, dernièrement, ouais. c'est quelque part, en fait, il est sur des rails, et Tout son à fait, c'est un imaginaire est sur des pèlerinage. rails, et donc il ne s'aperçoit pas en fait qu'il y a une multitude. Vraiment une multitude d'univers, une multitude de propos, et que des auteurs de l'âge d'or, de l'âge d'or de la SF Tout à américaine, fait. mais aussi des auteurs français qui ont écrit bien avant des aventures scientifiques, du merveilleux, etc.
Donc en fait, ça permet aussi de lire des proses un peu différentes, quoi. C'est intéressant. Voilà, d'ailleurs, comme des auteurs de fantasy aussi qui ont été oubliés, hein, comme, ou qui en tout cas que les jeunes ne connaissent pas, comme Leiber, qui mériterait d'être découvert. Moorcock. Moorcock, oui. Enfin, qui connaissent, récent, enfin, mais ils connaissent, mais qui l'a lu, voilà, c'est parmi les jeunes, c'est voilà, je veux dire, c'est donc il y a plein de choses à lire, il y a plein de choses très intéressantes, hein, donc, et donc toi tu es de ces grands lecteurs en fait du passé, hein, du passé, voilà, c'est du ça passé. Voilà. J'ai un peu moins de temps maintenant, alors du coup ouais. Mais c'est peut-être aujourd'hui maintenant c'est donc à toi maintenant en tant qu'auteur de bah, d'amener tes influences littéraires jusqu'au lecteur, hein, parce qu'en fait finalement ils ne demandent que ça, hein, que leur champ de connaissances s'ouvre vers d'autres choses. Donc ce ne sont pas que des produits, hein, les lecteurs. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Voilà. Non, bien sûr, oui. Évidemment. Ouais. Mais voilà, après, bon, c'est. Enfin, moi, je suis un auteur débutant, donc je ne suis pas certain de pouvoir encore amener beaucoup de choses au lecteur. Si tu veux. Ouais, il faut pas voir comme ça comme ça. C'est-à-dire que bon, je pense que ce qui est important justement, c'est d'être créatif dans sa culture. Et c'est ce qui fait que la culture elle est vivante. C'est d'être créatif, pas simplement un consommateur. C'est pour défendre sa culture, le meilleur moyen c'est de la créer. C'est pas forcément faire l'embargo sur des produits culturels. C'est pas forcément critiquer les cultures de l'autre. Il faut aussi bien l'accepter pour s'en enrichir. Et en fait, il faut savoir. Je pense, hein. Reconnaître son semblable dans sa différence. Tout à fait, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup de littérature importée, mm-hmm. C'est principalement de la littérature américaine, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font ailleurs. Moi, mon épouse est russe, et du coup j'ai pu lire, j'avais découvert beaucoup d'auteurs que je ne serais jamais allé lire sinon. Ouais. Bah, d'ailleurs, je pense. D'ailleurs, en russe, il y a aussi de la SF. Oui, il y a de la bonne SF en russe, oui, tout à fait. Et puis, je veux dire, les Russes, eux, sont ouverts justement sur la littérature française. Ah, complètement. Et donc, ils adorent. Ils sont infusés de culture française. Hein, de culture française, oui, tout à fait. Et on s'aperçoit que, bah, qu'ils connaissent souvent bien mieux les grands classiques que nous-mêmes. Complètement. Ouais. Et avec cet amour de la langue française aussi, qui pour eux est la langue de l'art. Ce que nous, on a oublié, par contre. On a oublié qu'on parlait cette langue qui est celle qui amène la plus grande compréhension aussi bien du domaine de plusieurs domaines artistiques comme la musique, la littérature, etc. Donc là, on peut jouer les coqs, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut, bien le souligner, quoi. C'est-à-dire que pour que la culture soit vivante, il faut être créatif. Et justement. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Donc bravo. Donc l'Enchanteur des Vents. Tout à fait. Donc un auteur peut-être qui t'a plus influencé qu'un autre Non, ce serait injuste d'en citer un seul. Ouais. Vraiment. Donc, et puis moi j'écris un peu de la fantasy, mais je fais aussi de la littérature blanche. Mmh. Comme on dit, du coup. Sinon, moi je suis un grand fan de Sartre. D'accord. Mais là, c'est pas forcément dans son message, hein, mm-hmm. Mais vraiment dans sa façon d'écrire. Dans sa façon d'écrire. Ouais. Sa façon de. Bukowski aussi. Oui. Alors, oui, après, oui. Je l'ai pas lu en version originale, mais il est bien traduit. Donc, ouais, il a pas trop été trahi, c'est ça. J'ai pas l'impression. Ouais. On connaît bien le côté un peu. Bucolique. C'est ça. C'est ça, je conseille à nos plus jeunes auditeurs. Oui, oui. À partir de 6 ans, Bukowski. Oui, oui, mais bien sûr. Ouais. Mais oui. Donc, avec la première bière. Voilà, exactement. Et donc, quel est ton projet, par exemple, si tu gagnes le premier saison 2018, qu'est-ce que tu comptes faire Eh bien, je compte faire la fête. Ouais, mais ça doit pas durer trop longtemps. Hein, voilà. Voilà. Non, ben, j'ai pu comprendre qu'il fallait écrire un roman dans le monde, ouais. Dans lequel se situe la nouvelle. Donc, ça peut être un roman ou plusieurs novellas. Hein. Ou plusieurs novellas, effectivement. Ça peut être aussi un recueil de nouvelles qui se situe dans le même univers. Hein. Ça peut. Bon, moi, j'ai commencé un peu à y réfléchir. J'ai déjà écrit quelques pages comme
collègue, camarade, congénère. Oui, congénère, voilà. Semblable. Donc je pense que mon monde est assez propice à un texte plus long. Après, il faut le faire. Voilà. Tout simplement. Donc c'était Fabien Rey. C'est ça. Avec sa nouvelle Enchanteur des vents. Donc je te souhaite bonne chance. Merci. Merci à vous. Et puis je vous souhaite bonne chance à tous. Lisez-le. D'ailleurs, oui, donc oui, il y a encore deux pour la lumière. Donc les votes sont. Jusqu'au fin mars, jusqu'au salon du livre. Donc allez-y voter. D'ailleurs, je pense que l'interview ne sera pas sortie avant la fin des votes, mais en tout cas. Du point de la lumière, donc on a été très heureux en fait de voir que de nombreux lecteurs avaient apprécié cette anthologie. Oui, donc avec Tomber les voiles, j'espère qu'on apportera autant de bonheur en tout cas. Ce sera mieux encore. Voilà. Et même si on ne sait pas ce que c'est que le bonheur, mais en tout cas j'espère qu'on l'apportera. Voilà. Merci Fabien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et puis bonne lecture.